Chaque samedi. Aujourd'hui, nous avons un programme très chargé. Nous allons aller direction... Je vous demanderai juste un peu d'attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Nous avons un programme très chargé. Nous allons aller côté rive droite, au Leclerc d'Auxerre. Donc, suite aux propos de Michel-Édouard Leclerc, qui a stipulé que les non-vaccinés, et donc ceux qui ne sont pas détenteurs du pass vaccinal, ne pourront pas aller faire leurs courses dans certains de ces magasins. Alors nous allons aller là-bas et faire comprendre aux gens que ce genre de propos, ce genre de mesures, ce genre de décision n'est pas tolérable dans la France et dans le pays des libertés. Et demain matin, donc Josette me dit qu'il y a centre de vaccination au Leclerc, donc raison de plus d'y aller. C'est la totale. C'est ouvert à tout ce qu'il a dit. Il y a Véran. Véran, il sera là. Alors certes, on me dit qu'il est revenu sur ses propos, donc on en parlera justement devant le Leclerc d'Auxerre, puisque donc il est revenu sur ses propos, mais je ne pense pas qu'ils étaient sincères. Après, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, et je pense que certains partageront cette opinion. Avant de partir, je voulais donc rapidement vous faire part d'un témoignage, le mien. Il y a de cela un mois, je suis tombé malade du Covid. Alors, je peux aujourd'hui témoigner de ce qu'est le Covid. Alors, ce n'est rien de plus qu'une grosse grippe. Alors, peut-être un petit peu plus virulente, certes, mais rien de plus. Malgré tout, j'ai une toux qui persiste depuis maintenant donc un mois. Une toux encombrante, une toux fatigante avec des douleurs donc au niveau de la cage thoracique. Alors non pas parce que le virus est dangereux, non pas parce qu'il est soi-disant mortel, non, j'ai cette toux qui persiste puisque comme de nombreux Français, je n'ai pas été soigné correctement, j'ai été mal soigné. Quand je suis allé voir mon médecin, j'ai pu avoir mon rendez-vous seulement une semaine après les premiers symptômes. Une semaine après. Les traitements qui, aujourd'hui, on sait leur efficacité, ivermectine, azithromycine, ces traitements fonctionnent. On sait qu'ils sont efficaces. Eh bien, si je les avais eus comme beaucoup de Français dès le début, je n'aurais pas eu cette toux qui aurait persisté et qui persiste encore aujourd'hui. Il est là. Le problème. Alors aujourd'hui, je ne vais pas pointer du doigt mon médecin, je ne vais pas le citer, je ne suis pas là pour lui faire de la mauvaise publicité, seulement pour faire passer donc un message à tous les médecins de France qui refusent de prescrire. Demain, quand tout ça sera terminé, vous serez les premiers responsables. Ce ne sera pas Macron, ce ne sera pas Castex, ce ne sera pas Véran, ce sera vous. Puisque quand vous refusez de prescrire à vos patients, vous refusez par extension de les soigner. Et si l'un de vos patients fait une forme grave et en décède, ce sera de votre responsabilité, puisque vous êtes les premiers interlocuteurs de vos patients. Donc aujourd'hui, je vous demanderai de prendre en considération ces propos
et de prendre vos responsabilités. Il est trop facile de dire « on n'avait pas le choix ». Le choix, il ne tient qu'à nous de le prendre. C'est beaucoup trop facile. C'est comme tous ceux qui, aujourd'hui, acceptent ce pass sanitaire, acceptent ce pass vaccinal sans sourciller, en disant « je n'avais pas le choix ». C'est vous qui prenez la décision de ne pas avoir le choix. Le choix, on l'a tous. Si dès le début, la majorité des Français s'était réveillée et avait dit non à toutes ces mesures liberticides, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc à tous les médecins de France, rappelez-vous le serment que vous avez fait, celui d'Hippocrate et pas d'hypocrite. Merci à tous. Et je tenais également, donc avant que nous lancions le cortège, puisque nous sommes assez pris par le temps, et comme je vous l'ai dit, nous avons un programme qui est assez chargé aujourd'hui, avec pas mal d'arrêts. Nous allons faire donc un sitting sur le pont, donc, puisque comme vous le savez, soi-disant, nous n'attrapons pas le virus quand nous sommes assis. Alors nous allons nous asseoir au milieu du pont, comme ça nous serons tous protégés du Covid. Et 3, 7, 2, et 4, et 5, et 1, et 2, et 3, 7, 2, et 4, et 5, et 1, et 2, et 3, 7, 2, et 4, et 5, et 1, et 2, et 3, 7, 2, et 4, et 5, et 1, et 2, et 3, 7, 2, et 4, et 5, et 1, et 2, et 3, 7, 2, et 4, et 5, et 1, et 2, et 3, 7, 2, et 4, et 5, et 1, et 2, et 3, 7, 2, et 4, et 5, et 1, et 2, et 3, 7, 2, et 4, et 5, et 1, et 2, et 3, 7, 2, et 4, et 5, et 1, et 2, et 3, 7, 2, et 4, et 5, et 1, et 2, et 3, 7, 2, et 4, et 5, et 1, et 2, et 3, 7, 2, et 4, et 5, et 1, et 2, et 3, 7, 2, et 4, et 5, et 1, et 2, et 3, 7, 2, et 4
On posait sur nous des empreintes.
C'était bien là le dernier outrage qui vient bientôt nous réveiller. La France, elle s'est soulevée, s'opposant au rythme d'un autre âge. Sans larmes, citoyens, armés de nos passions, croyons.
Macron a déclaré qu'il allait emmerder les Français non vaccinés. Vaccinés, disent-ils, nous préférons parler d'injection transgénique. C'est la seconde fois dans l'histoire de la République française qu'un chef de l'État déclare sa volonté profonde de nuire à une partie des Français. La seconde fois, parce que la première fois, c'est lorsque cette Chambre des députés et Sénat réunis, indignes, ont voté à 80% pour donner les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. Ce Pétain, ensuite condamné à la prison à vie, antisémite, comme Hitler faisait porter les difficultés des pays sur les Juifs français, comme les autres pourtant. Voilà ce qu'est Macron, le vrai visage de Macron. De qui Macron est-il le nom ? De Pétain. La Chambre des députés et sans doute demain le Sénat voteront le pass vaccinal, vecteur de l'emmerdement des non-vaccinés voulu par Macron. Rappelons à tous ces députés godillots que le nom des 80 élus responsables qui ont refusé le blanc-seing à Pétain et à l'abandon de la République sont gravés en signe de reconnaissance et d'honneur dans la salle des colonnes de l'Assemblée nationale. Détail de l'histoire, lors du procès de Pétain, à l'issue de la guerre et de la libération de la France, le procureur Mornay déclarait que ce harakiri de la République française était l'aboutissement d'un complot fomenté depuis longtemps contre la République. Un complot qui, grâce à la défaite, avait réussi. Il y avait déjà donc des comploteurs et des complotistes à l'époque. Que d'analogie entre ces deux périodes. D'un côté, une guerre mal préparée, mal organisée, commandée par des officiers réactionnaires, plus proches d'un plutôt Hitler que le Front populaire, qui va permettre le coup d'État pétainiste. De l'autre, une épidémie mal préparée et commandée par des autorités et des médecins corrompus par l'industrie pharmaceutique, qui dès son début ne voyait et ne voulait et ne comptait que sur les vaccins, même s'ils n'existaient pas encore. Thank you.
Je viens donner des annonces pour l'antenne soutien. Alors, puisqu'on va devoir s'organiser entre nous, nous avons mis en place une conférence lundi soir à 18h à Auxerre pour de la prévention santé. C'est une conférence sur les huiles essentielles. Donc si vous voulez participer, c'est à Auxerre et vous pouvez venir vers moi, je vous donnerai toutes les informations. Et on a aussi mis en place depuis toutes ces manifestations un groupe de parole spécialement pour les personnes pour qui c'est difficile de traverser tout ce quotidien, dont les personnes qui sont suspendues, soignants et pas soignants. Hein, c'est ouvert à tout le monde pour pouvoir partager un moment entre nous. Et là, cette semaine, c'est mardi à 18h aussi au même endroit et vous pouvez venir me trouver pour avoir les informations. Voilà, merci beaucoup et bon courage à tous. Oui, écoute, les GAFAM, tout le samedi et tous les samedis de tous les mois, tous les samedis, pour pouvoir justement les priver de notre argent. Et l'argent étant le nerf de la guerre, vous voyez un petit peu comment on peut agir concrètement. La deuxième chose, c'est que j'ai vu circuler, je ne sais où, et j'ai trouvé l'idée formidable. C'est peut-être de bloquer le pays, comme on dit, mais pas de la manière forte et violente par rapport à une grève possible, mais plutôt jouer des règles qu'on nous impose, à savoir, pour les non-vaccinés, si vous êtes cas contact, vous êtes supposé rester chez vous 7 jours, donc en maladie, payé. Bah, peut-être que pour les salariés, être cas contact, pour le coup, ça vaudrait la peine, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, c'est pas une super idée ça? Mais nous, il y en a certains qui doivent faire du télétravail, alors... Cas contact? Ah bah non, chez nous, faut faire du télétravail. Mais bon, voilà, ça reste une minorité aussi, il y a quand même des gens qui se rendent à leur travail. Eh bien ceux-là, cas contact, chez soi, 7 jours, payés, et on bloque quand même à notre manière le système, non? On se joue du système, on se joue des règles, en toute légalité. Donc, à réfléchir. Et puis, je vous remercie pour votre participation, justement, à boycotter les réseaux tous les samedis. Merci beaucoup. Merci. Quand on ajoutera toutes ces personnes réveillées, c'est ça qui fera la différence entre gagner et perdre, entre une planète joyeuse et une planète en dépression. Trouvons des actions pour bâtir le nouveau monde et des actes de non-coopération et de désobéissance dans l'ancien monde. N'attendons pas un miracle, soyons le miracle. La grande levée des consciences nous portera peut-être bien au-delà de nos espérances. On va y arriver, je suis tous les mardis soirs à Joigny, je fais une permanence.